Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok, bienvenue sur Floppy Nice, du coup, la version bêta. On est là, donc c'est un jeu qui n'est pas encore terminé, forcément. Mais on va se faire plaisir. Y'a quoi dans le menu? Menu. Y'a pas genre... Ah, ouais. Parce que la musique a l'air sympa, hein. Mais elle est un peu forte. Là, vous en profitez, la musique, vous l'entendez quand même? Ouais, c'est pas mal, ça. Là, comme ça, c'est bien. Là, comme ça, c'est pas mal, là. Ouais, c'est bien, là. Là, on entend bien, là. Donc, vous allez voir, ce jeu... salut YouTube, d'ailleurs, au passage, on sait jamais. Ce jeu, donc, qui va vous rappeler Dicey Dungeon sur bien des aspects. Car graphiquement, c'est juste la même personne. C'est la même artiste qui s'occupe de... Comment dire, l'aspect graphique, artistique du jeu. Et donc, vraiment, c'est le même mood que Dicey Dungeons. Mais il me semble que ce n'est pas le même... par contre, c'est pas du tout les mêmes devs et tout ça. Donc, c'est pas le même jeu. Mais ça a quand même un aspect roguelike, il me semble, je crois. Même pas sûr de ça, ouais. Je suis plus sûr, mais en tout cas, ça m'avait donné grave envie d'y jouer lorsque j'avais vu l'annonce. Et ça tombe bien. Merci Ruevis pour l'année de sub. Et donc ouais, ça m'avait donné envie grave de tester, tout simplement parce que j'avais adoré Dicey Dungeons. Et parce qu'en plus, c'est du tactique tour par tour avec un aspect roguelite. On va voir, vous allez voir. Start. On y va. Il faut savoir que là, c'est la bêta, le jeu n'est pas sorti. Le jeu ne va pas être opérationnel. Et le jeu ne va pas être en français pour le moment. Donc voilà. Donc Carlton... Alors qui est Carlton, qui est Phoebe? Je ne sais pas. Dans le doute. Ah! Phoebe, est-ce que c'est complet? Juste une seconde, Carlton. La robotique de ce niveau, ça prend un peu de temps. Ah oui, la Phoebe. La Phoebe, c'est une boîte... Enfin, j'en sais rien. Je sais même pas... Phoeb. Philippe, on va appeler Philippe. Ah, j'ai attendu une semaine entière. Ça a seulement pris un mois de me fabriquer. M'implémenter une mise à jour devrait seulement prendre 30 minutes maximum. 30 minutes? Est-ce que tes processeurs de mathématiques sont cassés? Allez, t'inquiète, j'ai bientôt fini. Quelques boulons en plus et puis... Allô? Hey, ça doit être tes parents. Ah, je me demande, je suis sûr qu'ils veulent savoir ce qui te prend autant de temps. Oh, Jesus! Oh putain, y a trop de personnages là, oh. Le dad. Phoebe, ta mère et moi, on voudrait te parler. À propos du fait que je devrais avoir un travail et me casser, ouais, je sais, vous l'avez déjà dit un million de fois. Oh, mais tu sais, c'est juste que tu restes trop longtemps à te faire chier avec tous ces trucs tout le temps, là, ça te prend du temps, voilà, quoi. Ah oui, on s'inquiète beaucoup pour toi, ma chérie. Tu devrais aller dehors et profiter de la vie. Et aussi avoir quelques responsabilités, un travail, ce serait vraiment bien pour toi. Tu devrais aussi te faire quelques amis. Oh, mais j'ai des amis, maman. J'ai Carlton. Oui, mais tu l'as fabriqué, Carlton, hein, sans vouloir t'offenser. Bah, t'inquiète, m'en bats les couilles. Attends, Carlton. Alors... Ah non! Non! Attendez, je peux pas revenir en arrière, merde. Attends, les Carlton, on va lui faire la voix de robot. Allô, je suis un robot, c'est bon. C'est bon, on va y arriver, je vous jure. Tu sais, avoir les responsabilités des gens sur qui tu dépends, c'est pas si grave, hein. Regarde-moi. Et tout le monde l'aime pour ça. Tu devrais toujours... ouais... Ah, j'ai dit que je parlais bien anglais, hein, d'accord. Il y a des mots j'ai pas l'habitude. Il y a des mots j'ai pas l'habitude, d'accord. C'est pas facile. Ah, il faudrait qu'on ait un second frigo. Phib, on est vraiment très fiers de ton talent et tout, avec ces machines dégueulasses. Mais bon, si jamais ça marche pas pour toi... Et il va falloir que tu travailles en tant que forgeron avec ta mère, quoi. Au moins, que t'aies un petit truc stable dans ta vie.
Parce que ta mère est forgeronne, visiblement. Peut-être pour ça qu'elle est aussi musclée. Ouais, d'accord, mais vous inquiétez pas, ça va marcher, donnez-moi juste quelques jours. D'accord, juste quelques jours, hein. Ouais, on va te laisser faire alors, chérie. Ok, bon, maintenant que c'est fini avec toutes ces conneries, t'es prêt qu'elle retourne pour ta nouvelle mise à jour? Bien sûr, je suis un robot. Est-ce que c'est un disque floppy? Qu'est-ce que ça veut dire floppy? Attendez, Google. Google. Floppy traduction. Souple. C'est souple. Est-ce que c'est un disque souple? Eh oui, parce que disque dur, disque souple. Putain, j'adore rire. Oui, j'adore. Je gagne énormément. Voilà. Putain. Eh ouais, j'ai installé un nouveau drive pour toi. Tu pourras le Mac Drive. Waouh, c'est vraiment génial. En tant que robot, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que ce disque mou va faire? Eh ben, tu vas vite le découvrir. J'ai mis un programme très spécial à l'intérieur. Oh, est-ce qu'on peut le tester maintenant? Bien sûr. Waouh, regarde ce petit pot de fleurs dégueulasse. Je les appelle les guerriers floppy, attends, les guerriers souples. Pas une autre traduction au terme souple quand même, parce que c'est bizarre. Souple, large, flou, ouais, non, bah pas ouf. Ouais, bon, on va dire flou, souple, hein. Bienvenue dans souple, le gameplay de la souplesse. Je les appelle les guerriers souples. Ce sont des projections, ce sont des... Ils sont à Paris. Mais on peut les toucher. Ils peuvent aussi toucher les trucs, les prendre dans leurs mains, enfin voilà. Là actuellement il est juste en train de taper mon outil quoi. Haha, c'est tellement un rascal. Je sais pas ce que c'est bien un rascal, mais certainement un mot très gentil qui n'est pas une insulte. C'est vraiment impressionnant, Phoebe. Ouais, merci. Et la meilleure partie, c'est que... ils vont faire tout ce que je leur demande. Ah, j'en ai fait plusieurs, donc je me demandais... ça pourrait peut-être nous aider à faire les vieux travaux que tout le monde a besoin dans la ville. On se pointe, on demande aux Floppy Nice de les faire... de faire les choses chiantes à notre place. Et après, on touche la moula à Benzema. Exactement. Ouais, on n'aura rien à foutre. Oh là là, ah, c'est bien joué, hein. Maintenant, on va faire les plus en l'air. Ouais, j'avais mon oeil sur la première place du prix de science depuis la coupe gadget. Oh, c'est chiant, là-haut. Ça suffit, arrêtez de parler, jouons. Ah, c'est le tournoi. Merde. Ah, c'est le tournoi qui y a tous les ans, c'est correct. Ouais, c'est ça, et cette année, je vais enfin pouvoir être assez vieux pour rentrer dans la compétition. Enfin, assez vieille, peu importe. Pendant qu'on attendait... Quoi? Ah oui, pendant qu'on peut pas y aller, on va essayer de voir comment marchent les Floppy Nights. Je vais te montrer comment ça marche, Carlton. Ouais, vas-y, j'en ai rien à foutre. Merci, on va jouer. Je suis rentré très fort en anglais, hein, c'est extraordinaire. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on joue pas à les jeux en anglais en général. Ok, alors on va voir les bases, Carlton. Ouais, je suis en train de faire le chargement de la simulation d'entraînement. Oh, ouais, t'as pas besoin de dire ce genre de choses, tu sais, on s'en bat les couilles. Ok, bon, on s'en bat les couilles, on va juste s'amuser, génial. Haha, let's go. Ok, battle start! Let's go! Alors... Bon, on va se battre contre lui, apparemment. On va lui casser la gueule. Ce petit truc de merde, là, on va lui casser la gueule? Eh oui. Oui, on va faire aussi un autre Floppy Night. Ouais. Ok. Oh, trop bien! C'est une carte. Donc ça, c'est notre commandant. C'est une unité spéciale. Ok.
Donc, on a ses stats, donc sa vie, son attaque, sa speed, et son range. Donc sa range, j'imagine qu'il peut attaquer à une case, qu'il peut bouger de 3 cases, qu'il peut faire 4 d'attaque, et qu'il a 5 points de vie. C'est ça, donc le 5 points de vie, s'il a 0, il est mort. Incroyable. Et si jamais lui, il est mort, on a perdu. Donc apparemment, lui, il faut vraiment le protéger. On attaque bien sûr, on comprend, hein, c'est le nombre de dégâts qu'il y a à faire, la speed, le nombre de... Vous voyez, voilà, je suis intelligent, je sais jouer au tactical, ça va. Quand tu joues une unité, de nouvelles cartes vont s'ajouter à ta main. Très bien. Ah oui, il ajoute... Ah, ok, il ajoute des cartes spéciales. Donc si on l'utilise, on utilise un deck spécial de Thorns, donc d'épines. Ok, on va jouer le commandant. Commandant Cousteau. Thorns, increase the unit strength for the duration of the battle. Ça augmente la puissance pour la durée du combat. Alors, left click. Left, c'est gauche. Bravo. Et je le mets où je veux? Je le mets là. Ok, ok, ok. Units gains plus 1 attack. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ok, ok. Maintenant, notre commandant est sur la carte. On peut l'utiliser, bien sûr. On a 5 cartes ici. Bon, là, je peux juste bouger. D'accord. On s'en fout de ce qu'il raconte, attends. Ok. On a eu ces 5 cartes pour le tour, et on a la turn card qui va rester là, je suppose. Ok. Mais on a de l'énergie ici en limité. Donc on a le droit d'utiliser que 5 énergies, là on voit 1 énergie, 2 énergies ici. Voilà, merci pour le tuto. Et on... Ouais, ok. Si on joue pas une carte, ça va dans la poubelle. C'est, pour l'instant, c'est assez simple. Et après, une fois que notre deck sera vide, ça reviendra ici, donc pas de soucis. Bon, on va aller bouffer, on va aller le défoncer. Capitaine, field range is one. Ouais, il faut que je reste juste, il faut que je sois juste à côté de l'ennemi pour pouvoir le combattre, vu que j'ai que 1 de range. Ok. Alors, move. Ok. Ah, ok, d'accord. Donc là, je prends une carte de move. Je clique dessus et là je peux aller où je veux. Enfin, je peux aller dans la limite du raisonnable vu qu'il peut faire 3 cases. Très bien, ok. Assez simple à comprendre. This high level dies as a place to be. On peut le bouger là-dedans pour l'instant, c'est compliqué, c'est simple. Bien sûr. On va le mettre là, bien sûr. Voilà. Maintenant on peut attaquer. Ok. Ah, on a le droit à une attaque gratuite sans carte, sans énergie, sans rien, par tour. Ok, dès qu'on a une épée comme ça, ça veut dire qu'on peut attaquer. Très bien. Juste à la clic. Et attaquer. Ok, ok, ok. Tac. Bah voilà. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Bon, ça c'est très simple. Oui, la DIA fait très très Dicey Dungeon parce que c'est par la même artiste que Dicey Dungeon, c'est normal. Ah, je sens qu'on va le demander 500 fois pendant le live. Préparer un copier-coller, hein, ça ira très vite. Ok, bon, pour l'instant, c'est simple, hein, c'est normal, c'est le tuto. Je n'ai plus d'attaque gratuite. Et si on avait des cartes d'attaque, on aurait pu attaquer encore, mais ça, on verra ça plus tard, j'imagine. Let's go. J'aime bien comment il y a des conditions de victoire alors que vraiment, on ne pouvait pas, on ne pouvait juste pas perdre. J'ai gagné une carte d'attaque, let's go. Je prends. Ok. Ouais, on l'a fait. Oh, Philly, c'était vraiment incroyable. On est tellement fort. Et ouais, tout a marché parfaitement. On devrait faire ça sur des vrais gens. J'estime que nous sommes vraiment prêts à avoir un travail et faire un max de moulaga. Ah, j'adore quand tu parles comme un humain, Carlton. Allez, on y va. La moula, Benzema. Alors, bon, c'est la bêta, donc on va pas avoir le jeu complet, logiquement. Outskirts. Objectifs, secondary objectives, d'accord. Bon, on n'a pas trop le choix, visiblement. Je peux faire ça si je veux, mais ça ne sert à rien. Let's go! Je rappelle que je joue en auto-bêta, il va peut-être y avoir des bugs. Hein. C'est normal. Salut à ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à vous. Alors, world map, bah let's go. Hein. Oh, j'ai pas vu les conditions. Bon, j'imagine qu'elles sont pas très compliquées. Ah, plus de gens là. Ouais, on y est!
Ok, sur le tableau de bord, il y avait écrit qu'il fallait qu'on aille à cette ferme, à côté de la ville. Je me demande qui est le client. Oh là là, ça a l'air si officiel tout ça. Client. Travail. Regarde-nous, Phoebe. Bientôt, on n'aura plus jamais besoin de tes putains de parents. Oh, Sirton, il faut vraiment qu'on... Il faut vraiment qu'on travaille sur tes bonnes manières. Regarde, quelqu'un s'approche. Est-ce que je peux vous aider? Hey, c'est vous qui nous avez demandé pour le travail? Ouais, tu vas être fini. Je pensais que vous alliez être deux. Mais on est deux, regardez, c'est Carlton. C'est mon bras artificiel. Il est intelligent. Ouais, je suis très intelligent. Ouais, c'est, on s'en va les couilles. Ouais, ok, bon, qu'est-ce que c'est le problème? On veut jouer au jeu. Alors, on est terrorisé par des gobelins végétariens. Écoutez-moi, là. Moi, je m'occupe de ma ferme, mais il y a les gobelins de la forêt qui me cassent les couilles et qui niquent tout mon travail. Alors bon, je me retourne une seconde et les mecs, ils me volent tout. Ok, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Peut-être qu'on pourrait faire pousser des carottes. Oh, ça a l'air trop chiant. Non, mais vous avez qu'à leur casser la gueule, ça ira plus vite. Et puis ce sera plus en adéquation avec le jeu. Ouais, on va leur casser la gueule. C'est pas du tout la traduction de GFM. Merci, Palotti. Ok, madame, on va le faire. Ouais. Qu'est-ce que... Des graines? Attendez, moi je voulais gagner du pognon, moi. Pourquoi est-ce que vous voulez nous donner des graines? Oh, et vous pourriez vous faire beaucoup d'argent en plantant les graines. Maintenant, faites attention à ces gobelins, cassez-leur la gueule. Ok, mais... bon, la prochaine fois, vous avez intérêt à donner un bon pourboire, hein. Allez, Carlton, on y va. Quoi? Les gobelins, ils sont juste là. Oh putain, je suis tellement fort, regardez. Oh. Regardez. J'aime bien comment je fais vraiment pas des voix qui sont bien pour les personnages. C'est incroyable. Allô? Ok. Ouais, je sais pas quel genre de magie utilise cette meuf qui fait de la bouffe qui sort de la terre, mais putain, j'adore ça, c'est meilleur que McDonald's. Allez, remplissez les sacs. Oh, ce petit bâtard, qu'est-ce que vous attendez, cassez-leur la gueule. Oh, le scénar est juste incroyable. C'est dommage que je le traduise mal, mais... Bon, pour gagner, il faut défoncer la gueule à tous ces gobelins. Très bien. Déjà, la mise galore. Let's go. Bon, j'ai toujours Captain Fifo. J'ai un de plus. Qu'est-ce qui serait le plus... Alors, ils ont 3 de moves. 1, 2, 3. Ok. Donc le plus intelligent, c'est que je me mette... là. Je viens de lui casser la gueule ici. Comme ça, après, l'autre, il va bouger vers moi. Je lui casse la gueule, et voilà, on se met là. On est bien. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, mais j'ai des trucs en plus, moi. Ok, c'est l'heure de notre premier combat. Notre premier vrai combat. Regardons un petit peu la map. Alors, ce nombre ici, c'est la vie de l'ennemi. Il a 4 points de vie. On peut aussi faire un clic droit pour voir toutes ses stats. Il y a des terrains qui donnent des bonus aussi. Oh, let's go. Ces forêts peuvent nous donner une défense en plus. Un point de défense en plus. Et ces montagnes n'ont aucun bonus. Mais il y a plein d'unités qui ne peuvent pas entrer en contact avec les montagnes. Ouais, on peut pas traverser la montagne, quoi. On peut toujours cliquer sur la tuile pour avoir des informations. Le jeu sera certainement en français quand il sortira de manière réelle. Mais actuellement, c'est en bêta, donc il est pour l'instant que en anglais. Mais je pense qu'il y aura certainement un patch à faire à sa sortie ou un truc comme ça. Peut-être pas dès sa sortie, mais certainement plus tard. Ok, bon, bah c'est tout pour le moment, on y va. Ok, donc là, c'est à mon tour. Il faut que je défonce... C'est quoi ça? Donc ça, c'est des potes? Je peux avoir les potes à la compote avec moi. En vrai, c'est pas mal, hein, mais il a pas beaucoup de vie. Pue un peu la merde, hein. Il a 2 d'attaque, il va mourir très vite. Parce que du coup, c'est pas très intéressant, parce que... Je ne dois perdre aucune unité, donc autant me concentrer sur mon Captain Fifo. Qui, normalement, va défoncer tout le monde, sauf lui, en un coup.
Ok. Move unit flip rip, c'est quoi ça? Hein? C'est à quoi ça? Move unit flip rip. Hein? J'ai pas compris ça. Vous comprenez ce que ça veut dire, vous? Bon, peu importe. Je voulais bouger. Et lui casser la gueule. Bam! Voilà. La carte devient une autre carte. Ah, ok. Ah oui, effectivement, flip this card will transform into a new card, effectivement. Ok. Du coup, là, je peux encore faire un truc. J'ai encore 4 d'énergie. Mais j'ai plus l'autre attaque, non? J'ai plus l'autre attaque, donc techniquement... Ok. Ok, ça va commencer à être la merde. Je me demande si je vais pas avoir besoin de mon petit pote, finalement. Je sais pas du tout. Dans le doute, on va le mettre là. Quoi? This card is removed from the deck. D'accord. Je peux bouger un mec gratuitement, là. Ok. Ah, mais attendez, on a des... ça, là. Et on peut taper des gens et les pousser avec ça, là. Ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué que prévu, ça, en fait. Ah ouais, ça va être encore plus compliqué que ce que je pensais. Ok, dans le doute, comme lui, il peut pas m'attaquer. Là, pour l'instant, personne peut m'attaquer, je vais terminer mon tour. J'attends de voir, j'attends. Ah, ils ne font rien? Ah, ils bougent pas, ces bâtards! Ah bah, j'avais pas compris qu'ils bougeraient pas, moi. D'accord, ils bougent pas. Restore 3 HP, ok. Ça va être utile, ça, effectivement. Bon. Move unit. Lui, en vrai, je peux le bouger, aussi. Tac. J'ai encore combien d'énergie? J'ai 3 d'énergie. Bon, on va lui casser la gueule, je lise, moi. Juste un truc. Lui, il peut bouger jusqu'où? Il peut bouger jusque-là. Ok. On va aller là, on va lui casser la gueule ici. J'ai le temps, non, de toute façon. On a tout notre temps. Allez, attaque. Ah non, j'ai pas besoin d'attaquer, là. J'ai une attaque gratuite. Quand j'ai l'épée, c'est que je peux attaquer gratuitement. Bref. Quand est-ce qu'il bouge, alors? Ok. Le pot a pas une attaque gratos aussi? Oui, là aussi. Mais le problème, c'est que je veux pas perdre une unité. Parce que, regardez, ici, là. Defeat all enemies et don't lose any units. Si jamais je le perds, bah après, je suis dans la merde. Parce que, je sais pas, en vrai, il a que 2 PV. Après, eux, ils font un dégât. Je pourrais le bouger. Hop, je vais le bouger là. Ah, mais attends, je crois qu'il a un truc bien, lui, quand il attaque. Attendez. On va voir. Est-ce qu'il m'attaque back? Ah, il attaque pas back! Ah ouais! Ok. Il attaque pas en retour. Je savais pas, moi. Ah oui, d'accord. Ah, c'est... Ah, c'est différent, là. Ils attaquent pas en retour. Toujours dans l'esprit du plaisir. Let's go. Move unit, destroy. Voilà, au revoir. Je peux l'attaquer. Bleh. Et si je veux, je peux rebouger pour pas qu'il m'attaque derrière. Mais on s'en fout. On s'en fout. Ah, mais attendez. Il va flip. Attaque l'ennemi, flip slow. Ah putain, c'est trop bien. Ah ouais, c'est une carte qui, grosso modo, tu peux bouger, puis après tu peux attaquer. Ok, c'est sympa comme carte, en vrai. J'aime bien. Bon, je comprends doucement, hein, c'est normal. Ok. Bon, bah là, je peux rien faire de plus. Let's go. Merci, c'est Stray pour le sub, merci beaucoup. On voit pas l'énergie. Ah oui, effectivement, vous voyez pas l'énergie. Ok, je vais mettre là. Le end turn, c'est pas très intéressant, je pense. Effectivement. Excusez-moi, maintenant vous voyez. Excusez-moi. Ok, j'ai quoi? You need to gain plus 1 attaque, on s'en fout. Ah, mais il a bougé, là! Ah, mais ils ont bougé ce tour-ci, j'ai pas regardé! Les bâtards!
Ok. Ok, attaque. Et maintenant, bouge là. Il t'emmerdera plus. Et toi, attaque. Voilà. Ah mais il aurait pu réattaquer le pot de fleurs, en fait, je suis con. Bon, ça va, je peux, hein. Moi, je me suis dit, je vais le faire fuir, mais on pouvait encore attaquer, hein. Voilà. Easy. Ok, ok, je commence à comprendre. C'est En fait, je suis tellement habitué à FF Tactics ou à des trucs genre... Enfin, je suis habitué à d'autres systèmes, du coup, je m'attendais à ce que, genre, les ennemis fight back directement. Que les ennemis, vraiment, nous... Quand on les attaque, ils nous réattaquent derrière. Il va falloir que je m'habitue à ce système où les ennemis t'attaquent pas pendant ton tour, et après, ils t'attaquent derrière. Après, il va peut-être certainement y avoir des ennemis qui vont nous attaquer pendant le tour aussi, mais... Voilà. J'ai un nouveau pote, Spitunia. Ok, il a l'air un peu plus fort, lui, déjà. Ah, il peut attaquer à deux cases aussi, ça, c'est bien, ça. Upgrade plant card. Ok. Ah putain, il y a des upgrades aussi. Oh, let's go. Oh non. Ah. Ah. Oh, yo, laissez-nous tranquille. Eh, qui c'est que vous appelez les losers? Ouais, bande de petits bâtards, et cassez-vous, c'est mes carottes. Oh merde, la meuf est en colère, elle est là, cassez-vous vite. On prend tout ce qu'on peut et on se barre. Allez, restez pas chez là, et courez après eux. Je suis presque sûr que c'était pas dans le contrat, ça. Ouais, on va vous faire un procès, je porte plainte, pour diffamation. Ouais, ta gueule, vous l'aurez fait même pas peur. Ils vont revenir dès que vous vous casserez. Ah putain, je pensais que ce serait plus facile que ça, moi. Ouais, je vous paierai lorsque vous aurez carrément tout enlevé, hein. Ah ouais, y avait une blague, mais je l'ai pas traduite, quoi. Ah ouais, elle devait certainement être très drôle, cette blague. Allez, cassez-vous. Ah, Jesus. Ok, on se casse. Il y avait une blague, je vous jure. Ok. Wow, on a eu une carte. On peut la regarder, on va regarder la carte. J'imagine qu'il y a une gestion des cartes aussi, genre un enfer. Oh. C'est très... En vrai, c'est un petit peu la fusion. Vraiment la fusion, genre du tactical avec... Quel jeu je pourrais donner en comparaison qu'on a déjà joué ici sur cette chaîne, mais je crois que j'ai jamais fait de VOD de ça. Comment il s'appelle ce jeu déjà? Attendez. Je retourne sur Steam histoire de l'avoir en visu parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué. Je vais le retrouver. Slay the Spire, à qui j'ai mis genre une centaine d'heures de jeu, il me semble. Et jamais en stream, je crois. Quasiment jamais en stream. Mais ouais, c'est un petit peu du Slay the Spire Tactical RPG, c'est bizarre. J'aime bien le mix. Bon, là, on a les cartes qu'il y a dans notre deck. Et là, on a celles qui sont dans notre sac. Celles avec un loquet, ce sont nos cartes de base et qu'on ne peut pas enlever de notre deck, ok. Et ça, c'est notre commandant, bien sûr, le Captain Fifo. Et donc, on peut bouger ces cartes-là si on veut. On peut les enlever et dire, allez, nique. Et là, c'est la limite de cartes qu'on peut avoir dans notre deck. On doit en avoir minimum 12. Ah! Ok, ok. Et ben, on va ajouter Spitunia. Ah, qu'est-ce que... Oui. J'ai rajouté Spitunia. Donc, il y a des attaques de poison, ça, c'est cool, ça. En vrai, il a l'air fort, Spitunia. Il est presque aussi fort que notre commandant, finalement. Ouais, il est plutôt pas mal, hein. On s'occupe un kicker, il était pas très fort, mais il est quand même pas trop mal. Et il rajoute des cartes dans notre deck. Il rajoute des cartes dans notre deck, donc en soi, il est quand même pas mal. Quand même pas dégueu. C'est quoi ça déjà? Improve a plant card in your hand. Ouais, et c'est gratuit. Donc on a quoi en plant card dans les mains? Ça, c'est une plante? C'est les cartes vertes, j'imagine, les cartes plantes? Je sais pas du tout. Le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Est-ce que je me remettrais pas une petite attaque? Ouais, je peux enlever un mouvement et remettre une attaque en plus pour attaquer plus souvent. Vu que j'ai déjà 5 moves. Et que lui, il ajoute... Ah, mais il ajoute une attaque aussi.
Il ajoute une attaque et un truc de mouvement. Bon, allez. On va tester ça, on va tester ça comme ça. Berk. J'espère que ça sauvegarde. Je vais vérifier au cas où. Oui, c'est bon. Ok, let's go. Max 30, t'as pas besoin d'en dégager. Oui, mais le but, c'est d'avoir un deck équilibré aussi. C'est d'avoir un deck où t'as pas trop d'un truc et pas assez d'un autre truc. C'est aussi ça, la gestion du deck. C'est pour ça que j'ai enlevé un truc de mouvement pour un truc d'attaque. Squad attack. Mais l'objectif, destroy le satellite. Un satellite. Ok. On va voir. On va voir ça. Le Stellar. Ouf. Oh là, ils ont des petites jambes, mais ils peuvent quand même aller vachement vite. Ah, c'est vraiment nul que t'aies pas des super jambes robots. Ah, oh, Carlton, je vais pas devenir une meuf bionique, ça va. Juste un bras, c'est déjà suffisant. Ouais, mais je suis tellement fort, être un robot, c'est trop cool. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah, les humains disent vraiment n'importe quoi. Ou alors peut-être que tu l'as mal traduit. Hey, Phoebe, regarde. Ils utilisent un système de communication. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que les autres gobelins se sont alliés à eux? Est-ce que tu veux dire qu'il y a plus de gobelins que ça quelque part? Ouais, c'est sûr. Oh, on va devoir aller chercher les informations. Oh, j'ai envie que ça se finisse et gagner du pognon si vite que possible. Let's go. Ok. Pour gagner ce combat, il faut détruire le satellite gobelin. Faut faire attention parce qu'il y a un spawner, putain l'enfer. Oh, il va y avoir des renforts ici. Oh l'angoisse. Ok. Bon. Mais attendez, il y a de l'eau? Ah oui, ça coûte un mouvement supplémentaire de traverser l'eau. Ok. Soyons intelligents. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, je le rappelle. Dans la seconde. Ils ont un d'attaque, on est d'accord. Lui, il a 4! Oh. Ah ouais, puis il bouge vite, lui, ce bâtard. Donc en vrai, il y a une strat qui consiste à se mettre là. On les défonce. Ok. Je me mets là. Ok. Lui, je le mets là. Comme ça, il est invincible. Lui, Spitunia, il faudrait que j'arrive à le mettre là. Pour qu'il empoisonne ici, à distance. Et lui, je sais pas si je vais pouvoir en faire quelque chose. Parce que malheureusement, il a que 2 points de vie. On va voir. Star 3 HP, ça sera pas utile tout de suite. Gains plus 3 d'attaque. En vrai, si lui, il avait un d'attaque en plus, il pourrait détruire le Slobby Gobby en un coup, hein. Entre nous. Voilà. Plus un d'attaque, j'en ai rien à foutre. J'ai plus que 3 d'énergie. Après, je peux faire un tour tranquillou. Je vais faire devenir Spitunia également. Qu'est-ce que... Ah, mais je peux vraiment pas passer du tout? Ah non, mais si, il faut que je fasse ça, je crois. Ok. On va faire bouger Spitunia. En fait, j'avais pas compris. Moi, je crois que c'était juste une tête, mais en fait, il a un corps. The fuck. Trop marrant. Ok. Et eh ben, let's go. On termine le tour, on verra après. Ah, il bouge, il attaque, et ça ne fait que 1 parce que j'avais 1 de défense, vu que j'étais là-dedans. Ah, mais d'accord, ils viennent vraiment à l'infini, c'est impossible, c'est impressionnant. Attends, mais j'ai pas gagné 1 de défense ici? Ils s'en bat les couilles du 1 de défense là? D'accord. Il a 3 pour bouger. Ce serait vraiment bien qu'il se mette là. J'ai combien de tours là? J'ai 5 d'énergie. Il peut attaquer gratuitement ici. Voilà. Mais ça ne... Ok. Si je vais là-dedans, je perds des points ou pas? Ce serait bien que je me mette quand même dans le truc défensif, mais...
Faut que je les montre. Tac. Voilà. J'ai un d'énergie. En vrai, je vais réattaquer ça là-bas. Voilà. Pas du tout. Ah, il bouge. C'est bâtard. Ah, mais non, en fait, ça... Ah, oui, ça défonce. Ah, en fait, oui. Il a défoncé l'armure que me donne la forêt. Et là, il n'y a plus d'armure, du coup. Ah, c'est bizarre. Ok. Ah, voilà. Bah, j'ai bien fait de pas me mettre plus de move, hein, regardez. A rate of plant score. J'en ai pas, là. Non, j'en ai pas, ok. Ça dégoûte. Putain, j'ai même pas pour le terminer, ce truc-là. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai le choix, soit je défonce un gobelin. Et je peux même pas. Il y a combien? Il y a deux d'attaque. Ok. Limite, le move. Attendez, je réfléchis. Casse-toi. Ok. Maintenant, toi, t'as une attaque gratuite ici. Voilà. Ok. Et lui, il peut aller où? Oh, il peut attaquer là aussi. Oh, l'enfer. Ok. Et lui, il a 4 d'attaque et lui, il a 1 d'attaque. Ok. Oh, ça va être l'enfer, ça. Ah, j'ai encore une attaque, j'avais pas vu. On va être safe. Quoi? Ah oui. Tac. Lui pourra rien faire. Il peut plus aller le faire chez lui. Donc au prochain tour, je fais deux dégâts ici. J'aurai certainement encore une attaque. Et lui, il pourra pas me tuer. Lui pourra pas me tuer en un coup. Et lui non plus parce qu'il a que un d'attaque. J'avais pas vu qu'elle était aussi loin elle. Ok, c'est bon. Normalement, c'est bon. Je suis safe. Normalement, je suis safe. Voilà. Voilà, je suis pas mort. Tout va bien. All according to Keikaku. Allez, attaque gratuitement. Bam. Une attaque ici. Et c'est terminé. Let's go. Oula, c'est quoi ça? Barrel cactus. Oh, il a l'air fort lui aussi. Il bouge un peu moins vite. Mais il a l'air fort. Je crois que 3 d'attaque un peu éclaté. Ah, mais il a une attaque de zone. Oh. Ah ouais, ça devient technique cette histoire. Le big boy. Boy. Salut à ceux qui l'ont joué, nous sommes sur Floppy Nights. On teste un petit peu cette histoire. Pour l'instant c'est en anglais, donc c'est... Les phases de texte sont un peu compliquées des fois. Enfin compliquées en fait, à comprendre non, hein, mais c'est surtout à traduire à l'oral, c'est compliqué. Ok. Je répète, les losers sont là. On se casse à la rivière. Ah mais où est-ce que tu penses que tu vas? Je les regarde juste là, en ce moment je les ai en visu, ils ont l'air dégueulasses et vraiment pas sympa. Attention hein, si vous les croisez. Gobelin, on se casse. Eh, hey, on pue pas, ou on n'est pas méchant, on est gentil et mignon. Ah, oh, maintenant ils ont rendu ça. Ok, maintenant j'en fais une affaire personnelle. Allez viens Carlito, enfin Carlton. On va terminer ce travail, peu importe ce qui nous en coûte. Quoi? Oui. On va stopper ces voleurs de légumes et avoir notre argent. Et une excuse sincère. Écrite, verbale. Ouais, c'est ça. En vrai, les personnages, je pense que c'est marrant. C'est quoi ça? Le shop. Let's go. Un shop. Carlito. Mais mamie, tu es cringe. C'est ça, on peut racheter les petites merdes. Bonjour, j'ai les cartes et j'ai les bitcoins. Et t'as de l'argent, t'as des bitcoins. Tu t'appelles Fantasio, let's go, on fait affaire. Alors j'ai 25 de pognon. Alors des moves et des attaques, ouais, c'est quoi ça? Threefold Rock. Units gain plus 2 HP. Oh, c'est pas mal ça en vrai. Oh, c'est plutôt sexy, hein. Ça, on aime bien aussi. En vrai, ça coûte 2 chacun. Mais c'est plutôt pas mal, j'aime bien ça. C'est Fanta, lui il est gratos, pourquoi? Si t'es gratos, hein.
Si c'est gratos. En vrai, ça m'intéresse ça, hein, d'avoir plus de HP. Bye. Ça, je sais pas. Hein. Bienvenue à la météo du Bitcoin. Ouais, je sais pas si j'en veux un deuxième de ça. Après, c'est puissant quand même d'avoir plus un attaque. Hein. Ouais, si, let's go. J'ai plus d'argent. Plus de pognon. Tant pis pour moi. Par contre, ce que je vais faire, c'est on va être intelligent. Déjà, on va les foutre. Et je vais remettre un truc de mouvement, finalement. Move unit in the unit. If the unit is currently on water tile, speed plus 2. Oh, ok. Et donc, Cactus Juice. Recover HP on one unit. Ok. Ah, mais c'est pas. Ah, mais c'est pas un commandant, c'est juste un monstre. Putain, pour un monstre, il est grave. Il est grave balèze. Ok, ok. Add kicks and hop. En vrai, lui, c'est bien de l'avoir parce qu'il a. Il ajoute des. Il ajoute des tuiles d'attaque. Donc en vrai, let's go. Je rajoute ça également. Pourquoi je l'ai plus, ça? Ah, mais non, mais c'est genre. Mais oui, non, mais oui. C'est lui qui l'a. Qui rajoute une tente. Bon, on met tout, hein. On met tout, on met tout. On met tout et on va regretter, d'accord? Comme ça, vous comprendrez pourquoi c'est pas bien de tout mettre. Ça vous montrera pourquoi. Alors, défie tout le monde. Il faut avoir les veggies avant les slimes. Oh, il y a des slimes! Let's go, ce jeu est encore meilleur qu'avant. Ce jeu est encore meilleur qu'avant. Après, ils font un peu peur, les slimes. Ok. Est-ce qu'ils sont partis par là? Je crois, je... Et regardez qui va là. Oh non. Cette voix. Ça ne peut pas être. Ça fait plaisir de te voir ici, Phibbs. Alex. Oh, Snarton. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ah, vous voyez pas qu'on est au milieu, en plein milieu d'un truc? Exactement. Ah, j'étais là, t'es tout autour de la ville en train de tester des inventions pour la Science Fair. Et maintenant qu'on est tous les deux assez vieilles pour entrer dans la Gadget Cup Tournament... Alex et moi, on va gagner la compétition, voilà. Et on va avoir un œil sur la technologie. Oui, ah oui, mais regardez un petit peu comment on va vous battre. Je ne pense pas, car tous les deux, vous êtes des gros cons qui nous copient. Alors on va gagner la compétition des gadgets. Alex, t'arrêtes pas de copier mes inventions chaque année. Snarlton, c'est une preuve. Regardez à quel point il est inférieur à moi. Il est vraiment très moche. Mais c'est vrai. Mais je suis tellement plus supérieur que toi, espèce de petite merde. Ah ouais, prouve-le. Fais une grande illusion maintenant. Oh, Alex, est-ce que tu vas juste... Quoi? Allez, Alex, tu peux juste te pousser, on est en train de terminer un travail. Ah, finalement, t'as décidé de devenir quelqu'un de civilisé et d'avoir un travail, hein? Allô? Et vous avez bougé de votre... de chez vos parents? Ah, ça t'a pris du temps, hein? Je pense que le GoXLR était une erreur, mais je l'assumerai jusqu'au bout. Tu sais que t'as jamais accepté l'invitation que je t'ai envoyé chez moi pour mon nouvel appartement? Ouais, je sais pas du tout ce que veut dire crowd molding. Oh putain, mais qu'avez-vous? Hors de question! On va régler ça tout de suite! Espèce de petite merde là! Tu vas voir! Avec mes slimes qui sont très très forts, on va te casser la gueule! Attends, t'as fait des slimes armés pour la Gadget Cup? Oh, c'est trop bien! Ouais, ils sont très très forts! Finalement, je vais te trouver qui est le meilleur inventeur de Tuggle Town! Plus de... Oh, c'est tellement intelligent! Phoebe est tellement talentueuse! Phoebe a des sourcils tellement plus... mignons! Sois prête à voir ce que ça fait d'être second, Phoebe! Elle est complètement obsédée.
je pense qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, Carlton. On va devoir lui kicker le cul, cette connasse. Et j'espère que... Ah oui, non, il n'y a aucun moyen de la convaincre quand elle est comme ça. J'en peux plus. J'en peux plus. Ok. Ok, pour gagner ce combat, il faut battre tous les ennemis. Très bien. T'en faut tous ? Ils sont beaucoup, là, quand même. Ok. Captain Thistle. Captain Thistle, on va le mettre là, et on va casser la Yellow Slime, là. Ils ont 4 points de vie et 1 d'armure, comme ils sont dans la forêt, forcément. Ok. Thorns. Alors. Alors, regarde, il y a un sac de végétal. De végétaux, pardon. Enfin, de légumes, quoi. Ok. Il faut qu'on réussisse à avoir ce truc-là avant les slimes. Mais du coup, il faut qu'on bouge très très vite. Parce qu'ils vont l'avoir en un tour, là. Je peux pas, non? Je peux juste pas? Je pense que je peux. Faut que je l'ai lui, là. Ok. Ah mais lui il peut aller vite. Il peut aller très vite, ok. Je vais tester. Hein. Voilà, on le move. Et ça, comme il est dans l'eau, il peut bouger loin. Let's go. Bon maintenant il est dans la merde. Mais quoique. Il peut bouger combien les slimes? Ok, il peut pas aller là. Sauf que si je bute le slime, il va pouvoir aller là. Et lui, il peut aller où? Il peut aller jusque là, ok. Attends, pour buter tous les slimes? Comment on fait pour buter tous les slimes s'il va y avoir des renforts à chaque fois? Quel enfer. Bon après, en vrai, s'il meurt, c'est pas grave. C'est pas grave s'il meurt, vas-y, bouge. Bouge là. T'as une attaque gratos, vas-y bouge. Maintenant attaque. Tac. Oui, attends. Bam. Voilà. Et on a plus de. On a plus de quoi aller. Fin du tour. Allez hop. Ça va. Hein? Ah quand on se fait buter, on a un truc qui sert à rien? Oh l'enfer. Pas sympa. Ok. Pourquoi il a que... Est-ce qu'on augmente le barrel cactus? Ouais, on augmente le barrel cactus parce qu'il a un point de vie, il a une meilleure carte. Allez hop. Let's go! Et barrel cactus, tu vas très très vite venir. Et restore 5 HP, ça peut être vraiment bien aussi. Ok, let's go. Allez, on va bouger. Une attaque gratuite là. Bam. Voilà. Je pourrais peut-être lui donner 2 HP en plus lui. En vrai, ça peut être pas mal. Tac, allez, let's go. Comme ça, ils seront plus forts. Et fin du tour. Ok, ok. En vrai, c'est bien stylé la façon dont ils ont fait. Quoi? Comment ça, 2? Comment ça, 2 d'armure? C'est dégueulasse. Est-ce que tu gagnes plus 1 d'armure à chaque fois que tu passes dans une forêt? Est-ce que c'est ça la mécanique de la forêt? Parce que lui, on a envie de le voir. En vrai, lui, si on le met, on a un truc de mouvement gratos aussi, donc c'est pas si mal. Mais bon. Moi, je veux juste briller. C'est une propriété des slimes. Ah. Ah non. Non, non, pas du tout. Non, non, je sais pas. Let's go. On va attaquer. Vas-y, bouge. Bouge-toi, viens avec nous. On va avoir besoin de toi.
C'est quoi? Bah viens aussi, toi. Hop, voilà, comme ça. On se rapproche tous les deux des ennemis. Et fin du tour. Voilà. Mais bouge pas, ces connards, aussi. Bougez, bordel. Putain, l'enfer. Ah, j'ai pas grand-chose, là. Tiens. Oui, attaque, lui. 3. Ah, quand quelqu'un l'attaque, ils prennent un dégât. C'est bien, ça. C'est cool. Allez, en vrai, il est fort, lui, hein. Il est fort, il est pas mal, hein. Je l'aime bien. Allez, hop. Allez, bouge. Bouge, et on peut même te donner un d'attaque en plus, comme ça tu feras plus de dégâts. De toute façon, ils ont tous... ouais, ils ont tous un petit peu d'armure à tout. Let's go. J'ai 2 d'énergie, et bah ça dégage. Comme ça on verra plus. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, oui. Oui, c'était pour la détruire, effectivement. Ils ont perdu des HP ou pas? Non. Du coup, pas besoin de les heal. Et bah salut. Par contre, faut bouger, les gars. Non mais bougez, bordel de merde. Insupportable. C'est insupportable. Ok, move unit, if the water is bien. Ok. Je réfléchis. Ouais, non, là, c'est bien. Vas-y, attaque. Bon, tu devrais pas être très très fort, malheureusement. Je pourrais lui donner encore un d'attaque, hein. Si je lui donne encore un d'attaque. Si je lui donne encore un d'attaque, logiquement il le démonte. Voilà. Ah, il fait mal, hein. Ah, il déconne pas, hein. J'ai encore de quoi attaquer une fois. Mais ce serait bien de bouger mon capitaine pour buter lui là-bas. Tac. Et il peut. Ah, mais il peut. Ça dégoûte. Ça dégoûte, je pensais que comme il était, comme il traversait de l'eau, il pouvait bouger plus. Mais c'est seulement si t'es dans l'eau. D'accord. Bah du coup, reste là. Vas-y, toi, bouge. Bouge-toi et mets-toi mets-toi directement... fais-toi attaquer. Ouais, fais-toi attaquer. C'est bien de se faire attaquer. Vu que tu fais des dégâts aux ennemis qui t'attaquent. La seconde. Ah, il attaque à distance! On m'avait pas dit ça! Il a pris un peu cher, j'ai l'impression. Bon, t'as le droit à une attaque. Il était pas censé avoir une attaque de masse? Il était pas censé les attaquer tous ensemble? Ah, oui, c'est ça! Ah, voilà! Wallah! Il a dit Wallah! Il a dit Wallah! Bon bah il va mourir, mais c'est pour le bien commun. Qu'est-ce qui serait le plus intelligent? Est-ce que ce serait de le bouger lui? Non, hein. Si je le bouge là, après il peut buter le slime là. Oh si, en vrai, let's go. Il a une attaque gratuite, donc faut l'utiliser, quoi. J'ai une idée. Il attaque je sais combien? Ah, il attaque loin de ouf! Ah ouais... Tu peux attaquer jusqu'où, là? Bah attends, je vais te buter. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Ah, foutre! Allez, on va le buter, tant pis. Tant pis pour lui. Il a les capotes, là. Voilà, ça dégage. Attendez, j'ai fait un truc. Est-ce que du coup... En vrai, ils sont pratiques, ces merdes-là, hein. Du coup, il peut attaquer jusqu'où? Ok. Voilà. Ah, j'aurais dû me mettre là, je suis con. J'aurais dû me mettre là pour pas qu'il spawn. C'est pas grave.
Comme ça, il est obligé de venir attaquer lui. Il attaque pas, lui. C'est bon, let's go. C'est gagné. C'est gagné. Ok, ok, pas mal. Move. Move your body. Easy, même pas perdu de pote. Tout va bien. Ok, ok, c'est pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Je commence à voir comment ça peut devenir intéressant, comment ça peut devenir frustrant aussi, avec la gestion du deck, qui quand on n'a pas ce qu'il faut, peut devenir très très grave. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Désolé, je suis pas du tout sur le chat, du coup, je suis vraiment à donf sur le jeu. Parce que j'aime beaucoup trop le genre de jeu, en fait. Ça, je pense, quand il sortira sur Switch, ça va partir. Hein. Je vous rappelle que le jeu est en bêta actuellement, donc il n'est pas encore sorti. C'est une bêta ouverte. Rigro, return a unit. Ça peut être bien, ok. Bamboomer. Ok, boomer. Plutôt fort. Il a 3 de range, ce qui est exceptionnel, mais il va pas vite. Ce qui est moins exceptionnel, du coup. Ok, pas mal, pas mal. Ah, comment c'est possible? Ah, bande de petits merdeux, vous avez détruit tous les slimes armés! Ah ah, nous sommes supérieurs. Oh Alex, laisse tomber, je t'en supplie. Tu seras toujours à 2 pas derrière moi. Ah, écoute bien ces mots, Fibs. T'as peut-être gagné cette fois. Mais demain, au concours de science, ce sera une toute autre histoire. Allez, Snarton, on se barre. On a quelques ajustements à faire avant la grande victoire de demain. Yeah. Bon, on peut lui donner une petite gommette pour ses efforts, j'imagine. Ah, je suppose qu'il va falloir qu'on se batte contre elle encore demain. Bon, maintenant qu'on s'occupe de cette petite interruption. Il est temps de retourner chez Gomin. Oh oui. Let's go. Bon, pas mal ça, pas mal, pas mal. C'est peut-être... Je sais pas du tout à quel point la bêta est ouverte ou pas, hein. Si ça se trouve, il y a que ces 4 trucs à faire, je pense. Je pense que ça peut aller quand même un peu plus loin que ces 4 trucs, j'espère. Mais bon, est-ce que je prends tous ces trucs là Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, hein? En fait, ça va vraiment dépendre des... Ça va vraiment dépendre des fights, hein. Parce que le Bamboomer, il est fort. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un mec qui bouge de 2 cases? Pas sûr, ça. Tout ça pour un concours de science, ouais, mais un concours de science, c'est important, hein. Ah, je sais pas. Ah. Bamboomer. En vrai, ça peut être bien parce que genre lui quand même, il était puissant et s'il mourait, bah au moins, il peut revenir, quoi. Allez, let's go. Mais du coup, j'ai beaucoup de cartes, entre guillemets, poubelles, qui font rien. Il faudrait que j'aille acheter des cartes d'attaque. Des cartes d'attaque et de mouvement, en vrai, pour entre guillemets, comment dire, contrebalancer. Je sais pas si j'ai besoin de lui. Il ajoute des roots. Move the unit with increased speed if they are currently at the forest. Oh, c'est bien ça. Ok. Oh, vous savez quoi, on va le tester et on va enlever une petite merde comme ça. Voilà. Ok, ne perdez aucune unité et tuez tous les ennemis. C'est peut-être à ma portée. Vous êtes de bouger de 2 cases quand t'as une range de 3. Bah sur une petite map ça va en vrai. Mais sur une grosse c'est autre chose. Ah le hyper sniper est là. Ah. Eh les perdants, je suis impressionné que vous êtes allés aussi loin, mais... Ici c'est notre domaine. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est la zone du fun, et les perdants comme vous, vous allez crever. Je vous suggère de vous barrer avant qu'on vous démonte la gueule. Vous allez pas nous arrêter pour... Ah oui. Vous nous arrêterez jamais. On va continuer à prendre toute cette merveilleuse nourriture dans la terre. Nous avons été envoyés ici pour vous arrêter. Même si ça veut dire qu'il faut qu'on guérisse votre fan zone. Ouais, on va s'occuper de tout ça. Ok, je vois que vous voulez le faire de la manière difficile. Faites pas comme si je vous avais pas prévenu. Les traductions s'améliorent, hein, au fil du temps. Je commence à être à l'aise. Alors, pour gagner,
Vous devez gagner. Oh putain, ils sont nombreux! Il faut que je reste là pendant 2 tours! Oh, l'angoisse! Ah, mais eux, ils sont vénères, là-haut! Ouh! Ah! Ouh, tous les niqués! Ça peut peut-être être un délire. Ok. Voyons voir. Ils peuvent bouger jusque-là. Ouais. A priori. A priori, si je mets mon unité là, ils pourront pas attaquer le reste, ok. J'en réfléchis. Parce que lui, il peut aller jusqu'où, lui? Il peut aller là, hein, le bâtard. Il faudrait que je me mette là. Je vais mettre là. Oh, bah, cactus! N'Golo Cactus, upgrade aux plantes. Hein? Oui. Alors, ah oui, d'accord. Voilà. Ok. La map commence à être un peu plus grande, c'est intéressant. Il y a encore un spawner de merde. Donc, à la limite, il faudrait que je mette un mec là. Hein. C'est quoi ça? Ah, si je vais là, je pourrais mettre mes prochaines unités ici. Oh, c'est bien, ça. Oh, ça peut être utile. Ça peut être utile, cette histoire. Ah, je pense que pour le mec qui tire de loin, ça peut être bien, ça. Si j'arrive à le déployer ici, ce serait vraiment stylé. Ok. Ok. Bon, j'ai qu'un truc pour bouger, là. Ça me coûterait qu'un seul d'énergie au lieu de 2. Ok, ça me permettrait de piocher 2 cartes en plus. Alors que lui, ça le rendrait juste plus fort. Oh, je vais l'utiliser là-dessus. Hein. Au revoir. Allez. Il est temps de lui démonter la gueule. Bam! Normalement, il n'y a personne qui peut venir m'attaquer là. C'est ça. Ah si, lui, il peut, merde! Bon, après, lui, il va me faire 1. C'est pas si grave que ça. Ok, bah restez là. Après, je peux me dire que lui, il va tanker. Il va tanker les dégâts de lui. En plus, il est plutôt bien placé. Ok, je peux pas faire plus. Fin du tour. L'OST tabasse. Ouais, l'OST est vraiment cool aussi. C'est très différent d'Icy Dungeon pour le coup, parce que... En fait, le seul truc qui est en adéquation avec Icy Dungeon, c'est juste le style graphique. C'est la même artiste qui s'occupe des graphismes. Mais pour tout le reste, c'est tout un autre studio. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec Icy Dungeon, mais l'OST est cool aussi. Attends, regarde, oui, ça, on a vu. Si on met quelqu'un, je pourrais remettre des gens là. Ok, tour et demi, alors voyons voir à quel point est-ce qu'ils vont bouger ou pas. Alors comme prévu, il vient m'attaquer. C'est pas un gros problème. Ok, il bouge pas. Ok. Bon, ils sont quand même très nombreux, c'est chiant. Bam Boomer, ce sera pour plus tard le Bam Boomer, je pense. Ok. Oh, il a une attaque gratuite. Ok, merci Color pour le 27 mois, merci beaucoup. Waouh. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais ça fait plaisir. Succulent Kicker, en vrai, il me casse les couilles. Hein. En vrai, lui, il sera bien plus tard, je pense. Lui, il peut pas bouger jusque moi. Lui, il peut pas. Ah, actuellement, il peut pas non plus. Mais bon, il faut que j'avance, hein. Il faut que j'avance. Ah, mais lui, il peut pas bouger non plus, hein. Non, mais il peut. Il peut Condriac. Ok.
j'ai pas le choix. On va le mettre là, en attendant. Tac. Suffit un petit cœur, on va le mettre là, en attendant. Hop, on va les bouger, on va les bouger. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit là. Et Move a unit using crisp speed if you're currently in a fast style. Bum Boomer, je veux pas l'utiliser maintenant. Bum Boomer, je vais attendre. Et ben on va rater le tour maintenant, hein. C'est pas... C'est un peu grave quand même. C'est un peu grave, mais j'aurais normalement de quoi le heal. Ah mais ils vont pouvoir m'attaquer tous les deux. Mais lui, normalement, il va me faire mal. Là, je prends 0. Mais lui, je prends 4. Oh, je vais prendre 4. Je serai quasiment mort. Ah, c'est dur hein, de pas avoir de trucs pour bouger. Bah, sinon, il faudra vraiment que j'ai Bomb Boomer là. Parce que lui, après, il peut bouger où? Il peut aller là en plus, ce bâtard. Ok, bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de mettre Bomb Boomer, malheureusement. Mais je vais même pas pouvoir bouger. Je vais même pas pouvoir attaquer, moi je pensais que ça coûterait 0. Oh merde, je suis trop con. Ou sinon, vraiment, je joue le tanking. Je joue le tanking et je le mets là, comme ça, c'est lui il prend pas de Daya, c'est lui qui le prend. Ou alors non, c'est lui que je fais bouger, je suis con. C'est lui que je le fais bouger. Il y a un ennemi en moins qui attaque, hein. Parce que là, lui, il peut faire combien? Il peut bouger le 3. 1, 2, 3. Ok, bah non. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Parce que j'ai une attaque gratuite avec lui. Et je le tue pas. J'avais oublié qu'il avait un d'armure. Ah, oh, je suis pas encore habitué à toutes les mécaniques. C'est pas grave. C'est pas grave, on va voir ce qui se passera. On va voir comment ça va se passer. Putain, il fait mal. Mais ça va être l'enfer. Oi. Mais comment faire? J'ai 5 d'énergie. En vrai, faudra que je batte limite en retraite et que eux ils prennent. Enfin, que. Ouais, non, non. Parce qu'en fait, j'aimerais ne perdre aucune unité pour avoir le bonus, mais au pire, je le ferai une autre fois, ça. Donc. Dans le. Dans. Ouais, je vais faire ça. Il fait une attaque de zone. Voilà. Il peut attaquer là, non? Il peut... Quoi? Il pue la merde, un truc de ouf. Ok. En fait, il a une range de 3, mais ça veut dire qu'il ne peut attaquer que à 3 cases. Du coup, en vrai, c'est chiant. Moi, je pensais qu'il pouvait attaquer à 3, à 2 ou à 1. Bon, bah ça, alors. Tac. Voilà. Bon, ça va. Les meubles sont sauvés. Juste lui, il va encore prendre un point de dégâts, sauf si lui, il attaque pas là. Mais logiquement, il va attaquer qu'à là. Hein.
Ah non, oh le débile. Le dabs. Heureusement qu'ils sont cons, hein. Ok, ok, ok. Quête d'attaque. Bah toi t'as une attaque gratuite, alors vas-y, certain. Voilà. Très bien. Qui bougeait? Il a 3, 1, 2, 3, ok, vas-y, bouge là. La 4 d'attaque. C'est terminé. Ok, ok, ok. Comme ça, il est de retour. Elle bouge à quel point, elle? Ok. Oh là là, oh, il bouge loin. Hein. Oh, ça va être la merde. Voilà, comme ça c'est capturé. Oh l'enfer. Oh merde. Toujours plus. Ok, ok. Bon bah là... Si je le fais là-dessus, il peut aller jusqu'où? Ok. Pour aller là, mais ça sera pas assez. Lui, s'il bouge là, il les bute tous les deux. Après, il va se prendre le Hyper Sniper et le Hob Hob Bopper. Ils ont combien d'attaques? 3, 3, ok. Putain, lui, c'est le plus chiant, lui. Bon, je pense que le mieux, lui, c'est de le bouger deux fois. Hein. J'ai 3 trucs de mouvement, donc en vrai, c'est nice. Attends. Elle pourra pas m'attaquer. 1, 2, 3, 1, 2, ok. Ok, ok. Non, je suis en train de réfléchir, hein. Vous m'en voulez pas. Voilà, lui il reste là, tant pis. Move unit. Je sais pas ce que 3, 1, 2, 3. 1, 2. Bon, c'est bon, elle. Elle peut pas m'avoir. Mais attendez, non, j'ai 2 attaques du coup. Let's go. J'avais pas réfléchi à ça. Ok, ok. Ah, ça aurait presque été. J'aurais presque pu la buter elle au lieu de buter les 2 sbires du coup, si j'avais voulu. Mais j'y ai pas pensé. Ça, j'imagine que ça servira à rien. Mais ça sert à rien. Ok. Bam. Voilà, ça c'était sûr. Il est mort. Voilà. Ouais, évident. Oh, par contre, là. Oh, le spot. Oh, le spot qui vient de me donner, là. Félicitations. Félicitations. En vrai, limite, il y a combien d'attaques, le 4? Ok. Enfin, limite, le meilleur plan, c'est de les buter, hein. Combien il a 4 d'attaque? Il bouge à 3, lui, hein. Ce qui est dangereux. Tiens, tiens, tiens. Normalement, j'ai le quoi, hein. Ouais, j'ai ça. Attends, j'ai même pas besoin, normalement. Je move 1.
Tac. Je restaure la vie ici. Parce que lui, il va pas nous tuer, quoi qu'il en soit, on s'en fout. Voilà. Et bah, on est tranquille, hein. Bah, on est tranquille. Vas-y, viens, bouge ton cul, hein. Bouge ton boule. Voilà. Bravo à toi. Et t'es mort au prochain tour. Et toi aussi. Parfait. Parfait, parfait, parfait. T'y es mort. Parce que j'ai 4 d'attaque et t'as 4 points de vie. Voilà. On te bouge. C'est quoi ça? Non, ça n'a rien de spécial. Ok, bah ça va. Plus de peur que de mal. He's ok. Let's go. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Un peu, hein. Oh, un nouveau pote, Vera. Restore 1 HP. Other friendly units each turn. Oh, putain. Donne 20... Donne 1 HP... Enfin, soigne 1 HP tous les autres potes. À chaque tour. Ok. Et j'ai gagné 20 pièces du coup. Ok, let's go. Elle est pas forte, mais elle est intéressante. Et étant donné qu'on a lui maintenant qui a un gros tank, en vrai, on a peut-être plus besoin de lui. À voir, à tester. Pour l'instant, j'aime beaucoup le jeu. Hein. J'aime beaucoup le jeu. Alors oui, c'est peut-être pas le type de jeu optimal en stream, parce que c'est vrai que je suis très concentré. Mais j'aime beaucoup. Oh non, la zone du fun, tu l'as ruinée. Écoutez, vous devez arrêter de prendre la nourriture de cette pauvre femme. Mais elle est si bonne. Mais elle est si bonne avec l'ail et le Garonne. Mais on s'en bat les couilles, elle est pas à toi. Oh, mais comment est-ce qu'on peut avoir de la nourriture qui pousse alors? Oh, regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce sont des graines. Oh, les légumes, c'est pas magique. C'est juste des plantes qui poussent. Alors t'en mets dans la terre et puis ça va pousser, t'auras ta propre nourriture. Quoi, vraiment? C'est tout? Et n'oubliez pas de les arroser. Les plantes ont besoin de nutriments et d'attention. Eh, je vais te dire un truc. Je vais prendre la moitié de la... Je vais te prendre la moitié de tous ces légumes que t'as volés. Et tu prends l'autre moitié, ok? Ça devrait vous aider à tenir le temps que vous fasse pousser les vôtres. Bon, et en retour, tu laisses cette meuf tranquille, ok? Oh, c'est un très bon deal! Si je l'avais fait à ma manière, je vous aurais tous incinéré, bande de malpropres. Avec mes yeux laser! Ouais, vous êtes peut-être... Merde. Ouais, vous êtes peut-être pas que des losers, finalement. Ok, allez, c'est un deal. Mais ne montrez plus jamais vos sales gueules ici, hein. Ouais, super. Eh bien, Carlito, on va aller prendre cet argent. Le fric. Je veux le fric. Ah oui. Je veux le fric, moi aussi. Oh bah, je dois l'admettre. Hein. Je me rends compte, vraiment, il n'y a rien qui va au niveau des voix. Toutes les meufs, je leur fais les voix graves, c'est terrible. Après, on s'en fout, au final. Hein. Ah ok, je dois l'admettre, mais... Oh, tu t'en es bien sorti. Ouais, ouais, ne venez pas comme ça par l'arrière! Est-ce que vous étiez en train de me suivre? Bah, je voulais juste être sûr que vous faisiez bien le travail, quoi. Et puis, bah, voilà, vous l'avez fait, donc voici votre paiement. Terrifiant. Ah ouais, de l'argent! Merci d'avoir fait un temps. Merci d'avoir réglé ces problèmes de gobelins. Cette invention que t'as fait est plutôt utile. T'es cette meuf là dans la ville où... qui monte toujours ses inventions au Science Fair, c'est ça? Ouais, c'est moi. On va entrer dans la compétition de la Gadget Club demain. Et on sera victorieux. Oh, t'as pas entendu? Ça a été annulé. Elle s'est fait cancel sur Twitter. Quoi? Est-ce que mes... Est-ce que mes circuits audio ont bien compris ce que vous avez dit? C'était cancel culture par Twitter? Mais comment? Pourquoi? Oh bah, le volcan a été très très actif en ce moment. Et du coup, bah c'est un petit peu la merde.
Ouais, c'est tellement la merde que, comme on est dans le champ d'impact, il vaut mieux se barrer. Si, c'est pas ce volcan qui est juste à côté de la ville? Mais oui, c'est ça! Les éruptions n'ont pourtant jamais été assez fortes pour arriver jusqu'à la ville! Il faut qu'on aille checker ça! Merci pour la monnaie, madame! Bien sûr, bonne chance! Oh, le volcan grondant! Cancelled! Mis à Twitter! Ok. Ha! On y est! Fini, regarde! Il y a écrit cancel sur le papier! Waouh! Alors, à cause de problèmes volcaniques non attendus, et pour des raisons de sécurité, on a cancel culture, Toggleton, ça vient de se faire putain! Oh, ça doit vraiment pas être très sympa! Qu'est-ce qu'on devrait faire? Sans Science Fair, on n'aura pas de gadget capture, man! Oh, il faut qu'on gagne ce prix! Oh, c'était le plan! Ça peut pas être cancel comme ça! Il faut qu'on fasse quelque chose! Allez, viens, Carlito! On va aller à Cinderclift pour voir ce qui se passe avec ce putain de volcan! Ouais, je m'en tire bien, enfin, hein, niveau traduction finalement. Épisode complete! Let's go! C'est terminé? Ok. Y'a du nouveau au shop? Qu'est-ce que c'est que ça? Adaptation. Les unités gagnent plus de HP, plus 1 d'attaque ou plus 1 de speed. Ah, on choisit! Ok. Ok, ok, ok. Putain, plus 1 de speed, ça peut être intéressant, ça. Real plan scale. Oh, ça, c'est trop bien. Oh, ça, il le faut absolument. I need that. Et ça, c'est... Attaque un ennemi, boost. Ah, à chaque fois qu'on l'utilise, ça devient plus fort. Oh, c'est génial, ça. Let's go. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça va être boosté, mais... Peut-être ça fait plus 1 d'attaque à chaque fois qu'on l'utilise. Oh, bien ça. C'est plutôt nice. Ok. Ça, je sais pas si je le veux. Le bras Carlito. Le Science Fair a offensé le volcan, alors il l'a cancel sur Twitter. C'est ça. Ça dégoûte. Ah, la Dagfly, en vrai, ça peut être très intéressant. Hein. Samedi. Dimanche. Lundi. Mardi. Lol. Pas drôle. Tu vois. Je vais peut-être économiser, je sais pas si j'ai besoin d'adaptation. Il va falloir que je regarde mon deck, parce que mon deck ça va commencer à être un sacré bordel quand même. Hein. Parce que bon, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Hein. Captain Fifo. Du coup, on peut avoir un nouveau commandant à la place, ouais, c'est ça. Donc elle a plus de vie, donc elle tiendra plus le coup. Et elle bouge plus vite aussi, ce qui est plutôt agréable. Mais du coup, elle fait beaucoup moins d'attaques. Et Mend, restant HP à toutes les unités. Ok. En vrai, par contre, elle soigne de 1 toutes les unités, c'est pas mal. Je vais la tester pour voir. Surtout que c'est quand même vraiment cool. Je vais la tester, ça a l'air pas mal de quand même se soigner. Surtout avec lui, là. Lui, il est vraiment fort. Il est très fort. Il est dans les rues de Brooklyn. Du coup, je vais lui faire confiance. Bam Boomer, c'est compliqué. Il a que 3 points de vie, mais bon, on verra bien. Je commence à me dire que ce serait quand même pas mal d'avoir plus de trucs pour bouger, mais... Enfin, pour attaquer plutôt. J'ai pas beaucoup de cartes d'attaque, j'ai l'impression. J'en ai 2 là. J'ai les attaques de base des monstres. Et j'ai lui qui nous donne une attaque qui permet d'attaquer aussi. Et lui aussi, je crois. Bon, on va tester comme ça. Ah mais non, mais j'ai la... C'est ça, j'avais la 6 soir, j'ai oublié ça. Et gros, bien sûr. Gros. Ok, ok. C'est dommage qu'on puisse pas le mettre en monstre. En même temps, c'est logique, j'imagine. Allez, on va tester ce deck-là. On va tester ça. Tu fais penser à Dicey Dungeon. Oui, c'est normal. C'est la même personne qui a fait les dessins. Qui a fait l'aspect graphique du jeu. Bon, alors maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'on peut aller... Ah, on peut continuer. D'accord. La bêta nous permet d'aller au Single's Life. Mais écoute, c'est pas mal, ça, déjà. Combien de temps là qu'on joue là? Ça fait une bonne petite heure, je pense. C'est pas mal déjà. En vrai, on va faire une pause. On va faire une petite pause pour YouTube. Comme ça fera peut-être 2 VOD, c'est sympa. Et moi, je vais faire une petite pause aussi, le temps d'aller m'en chercher à boire parce que c'est quasiment vide. Et voilà, YouTube, des bisous. N'hésite pas à regarder la prochaine VOD. Et n'hésite pas à wishlist le jeu sur Steam en vrai.
ça aidera certainement les développeurs à gagner un petit peu en visibilité, etc. Si le jeu te plaît. Voilà, le jeu s'appelle... s'appelle comment déjà? C'est Floppy Nights. Floppy Nights, c'est ça. Floppy Nights, c'est voilà. C'est là, pour l'instant, c'est en bêta, donc... Le jour où cette VOD sortira, normalement, la bêta sera refermée à nouveau. Donc, normalement, tu pourras pas voir. C'est pas grave. C'est la vie. Mais en tout cas, voilà. Bisous, YouTube. À très vite pour la suite. Salut, mon... Après, je pense qu'on va pas aller très... Je te le redis à toi, YouTube, aussi. Mais je pense qu'on va pas aller très très loin non plus là-dedans. Parce que le jour où le jeu sortira, je pense qu'il faudra refaire tout depuis le début. Et j'ai pas envie de tout me re-spoiler d'ici là. Mais voilà. Je pense qu'on refera le volcan et après on s'arrêtera, histoire d'en garder sous le coude pour lorsque le jeu sortira. Parce que je déteste les bêtas où tu termines la moitié du jeu déjà. Et quand le jeu final sort, bah du coup, t'as plus envie de rejouer. Parce que le jeu, tu l'as déjà fait. Donc voilà. Allez, re-bisous, YouTube, hein.